cette édition marquée aujourd'hui par ce troisième déplacement d'Emmanuel Macron en province. Le chef de l'État était à Valence, dans la Drôme, à la rencontre des élus, dont Laurent Wauquiez, le président des LR. Alors pour en parler, on retourne à la salle des conférences où nous attend Tam Tranui avec le sénateur LR de l'Oise, Olivier Paccaud. Olivier Paccaud, il y a un changement de format pour cette troisième réunion d'Emmanuel Macron avec les élus dans la Drôme. Pas de médias, moins d'élus. Il fallait varier les genres. Comment est-ce que vous jugez cette stratégie tout d'abord ? Écoutez, je pense que le grand débat national ne devait pas être un grand show présidentiel, ce qui a été le cas lors des deux premières versions. Donc peut-être que le nouveau format pourra être utile. Néanmoins, s'adresser au maire, c'est très important. Mais il faut surtout s'adresser aux Français. Nécessaire pour le chef de l'État, justement, d'aller au contact des Français, pour vous ? Oui. Oui. Ce que les Français veulent, c'est un président qui les entend, qui les comprend, qui les défend, et non pas qui les infantilise, qui les divise et qui les méprise. La crise, elle est née d'un sentiment d'une gouvernance hautaine, distante, faite de petites phrases malheureusement méprisantes. Il y a un lien à retisser. Si le grand débat le permet, tant mieux. La France est dans une situation tellement compliquée aujourd'hui qu'il faut tout tenter. La nouveauté de ce déplacement, Olivier Paccaud, c'est aussi bien ce tête-à-tête qu'a eu Emmanuel Macron avec Laurent Wauquiez. Cela a été difficile pour Laurent Wauquiez de faire entendre sa voix, de faire entendre la voix de son parti ces dernières semaines. C'est vrai, c'est vrai. La position du mouvement a été peut-être un petit peu ambiguë. Certains voulaient aller débattre, d'autres non. Je pense que les absents ont toujours tort. Et donc que même si... Il est très clair qu'il faut participer pour vos grands débats pour les LR. Oui, je le répète, les absents ont toujours tort. Alors évidemment, il ne faut pas être dupe de la volonté de communication du président et de récupération de l'exercice pour essayer de remonter un petit peu la pente dans les sondages. Néanmoins, on a besoin de renouer le lien. Notre pays est dans une situation trop difficile pour souhaiter la dégradation de cette situation. Un mot sur le questionnaire envoyé par la direction des Républicains aux militants LR dans le cadre de ce grand débat. Toutes les questions sont très marquées par le programme de Laurent Wauquiez. Mmh. Elles portent notamment sur l'immigration, le terrorisme ou encore la délinquance. Est-ce que vous trouvez que c'est normal et est-ce que ce sont vraiment les questions premières de ce grand débat ? Alors, ce ne sont pas du tout les questions du grand débat puisque dans son courrier présidentiel, il avait totalement... Le président de la République zappait ces questions. Maintenant, je ne suis pas convaincu qu'il faille uniquement courir après certaines thèses d'autres partis. Le grand débat national doit toucher tous les sujets, des sujets sociaux, des sujets économiques, des sujets de sécurité, des sujets institutionnels aussi. Il y a beaucoup de choses à dire. Et je pense qu'il ne faut pas se restreindre sur une thématique sécuritaire. Oui, donc vous trouvez que finalement ce questionnaire aux militants, il est trop restreint. On a entendu des voix à droite qui estiment que Laurent Wauquiez se cornerise, va trop à droite, va trop sur toujours les mêmes thématiques, trop à droite. Vous êtes de cet avis ? On a eu Éric Woerth cette semaine, par exemple, qui était sur cette ligne. De toute façon, si on veut proposer un projet alternatif crédible pour la France, il ne faut pas effectivement se restreindre à un électorat droitier. C'est évident. Donc il faut parler à tout le monde, il faut parler à la droite, il faut parler au centre, il faut parler à la gauche, il faut parler aux Français, tout simplement. Eh bien, merci beaucoup Olivier Paccaud pour votre réaction. Merci beaucoup.